Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de Dying Light 2. Rappelez-vous, on s'était arrêté pendant une course-poursuite. Et là, on essaye de se rendre à Vildor, apparemment. Tandis que Waltz vient de tuer l'informateur et qu'ils m'ont cramé parce que j'étais dans un conduit d'aération et que j'ai fait truc le moins discret du monde. J'allais dire le moins discret de France, mais on est peut-être pas en France. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Oh la vache, mais pourquoi le jeu rame autant? C'est hyper mal opti. Merde. Pourtant là, ça fait mal. La console souffle pas de ouf. Ok, bizarre. C'est tout bleu ici, alors qu'il n'y a pas d'éclairage. J'imagine qu'il n'y a rien à ramasser. C'est Floatland. Bon déjà, pour ce qui est de la nage, c'est un peu plus intuitif que dans le premier. Donc ça c'est très cool. La bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Il est pas bien le mec hein. Il bouge. Akon, tue-le, Akon. Tue-le avant que je le fasse pour toi. Hé, Molo, du calme. Respire. On dirait qu'il s'est pas transformé. On dirait? Akon, je veux pas ça ici. Tu nous es revenu. Cligne des yeux si tu comprends. Putain, ma tête. Ah. T'étais sur le point de te transformer, mais les UV et les inhibiteurs t'ont fait revenir. La batte a aidé aussi, bien sûr. T'es vivant. Que les choses restent ainsi. Le gars a failli tous nous tuer, tu lui fais la conversation? Hé, hey, les filles, du calme. Elles ont peur. T'as failli détruire leur atelier. Faut qu'on se bouge. Tu peux marcher? Mais je comprends pas. Où est-ce qu'on va? Dans un endroit sûr. Il faut que j'aille au fisheye. Le fisheye? Sans biomarqueur, tu pourrais pas t'en approcher. C'est quoi ce bordel? Un biomarqueur? Ça surveille l'évolution de la maladie dans le noir. C'est ton ticket pour la ville. Sans ça, sortir de la lumière est une sorte de loterie. Tu sais pas quand tu vas te transformer.
T'as besoin d'un biomarqueur. Et je sais où en trouver un. Allez. On y se transforme à nouveau. Du calme. Tout est sous contrôle. Ça va, tout ira bien. T'es faible. Prends une minute. Bois ça. Sérieusement, c'est quoi la suite? Lui faire couler un bain? Ça me semble plutôt confortable, mesdames. Peut-être la prochaine fois. Va te faire voir, Akon. Elle m'adore. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Apprenons à nous connaître et découvrons-le. Vas-y en premier. T'as trouvé ça où? Ça te concerne pas. T'es prudent. C'est bien, tu vivras plus longtemps. T'es un vrai pèlerin? Ou t'as volé ce badge? J'étais un pèlerin. Une heure avant le crépuscule. Je suis sérieuse, Akon. Il reste pas ici cette nuit. Tiens, ton arme et ta radio. Même un pèlerin pourrait pas s'en sortir sans. Allez, on y va. Par contre, c'est foutage de gueule, c'est pas mon arme ça. Hein. Il m'a filé un vieux tuyau le mec. Ah non, c'est bien. Machette grossière. C'est genre, tu mets des coups, t'insultes. Salut. C'est un chouette endroit. Prends pas trop tes aises. Pas besoin d'un autre coloc. Encore moins s'il est capable de nous voler pendant qu'on dort. Tous les pèlerins sont pas des criminels, tu sais. Uh-huh. Il est mignon ton atelier là. En plein assemblage de lampes UV, hein. Ouais. Tu devrais pas être ici. Akon risque nos fesses. Et en parlant de ça... Tu veux que Janna te fasse encore du mal? Non. Excuse-moi. Faut parler. Je t'ai fait peur. Hein. Ça va mieux après t'avoir frappé. On est quitte, Janna. Aiden, c'est quoi cet endroit? C'est chez nous. Notre atelier. On pourrait dire notre monde tout entier. T'es plus sympa qu'elle. Eh. Dégage de là! Sarah ne fait confiance à personne, à part moi. En plus, je me bats mieux qu'elle, donc je peux me permettre d'être plus sympa. D'accord. Les dialogues sont rigolos et à la fois... Oh! Et à la fois un peu étranges. T'es bouché, putain! Je comprends pas. D'habitude, quand je bats quelqu'un, il leur demande pas. Tu veux te battre, vraiment? Bah vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Vous pouvez pas utiliser d'armes ici. Ouais, vous faites bien de me dire ça, parce que moi j'étais parti là. Je suis une vraie machine. Pas mal. Où est le fichier? La cantine est là, au centre, après les décharges chimiques. Ah. Il faut que j'aille là-bas. Dommage. Le seul moyen d'y aller, c'est par le tunnel. Ils protègent le tunnel comme si c'était l'entrée du Valhalla, putain. C'est quasi impossible de passer. C'est pas ce que c'est le Valhalla. tu peux m'aider à y aller? Est-ce que tu peux m'aider? T'as l'air de bien connaître la ville. Je vivais déjà dans cette ville bien avant que le monde ne parte en vrille. Je pourrais t'aider, mais... Il te faut un biomarqueur. T'iras pas loin sans ça. Tu viens d'où? D'assez loin, j'imagine. Environ 2000 kilomètres. Oh, merde! Comment t'as fait pour pas être infecté? Facile. J'ai évité les morsures. Ici, c'est différent. On est tous infectés. T'as entendu parler de Haran? Ils ont isolé Vildor aussi. Ils ont construit des murs. Ils nous ont enfermés. Et en fait, c'est ce qui nous a sauvés. Et comment on se procure un biomarqueur? On peut pas se les procurer. À moins de connaître la bonne personne. Et moi, je la connais. Allons-y. Au fait, moi, c'est Akon. Ben, je le sais. Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue au paradis. La la la. Maintenez pour la terre.
Ok. Il est où? Ah. Et salut les mecs. C'est vraiment beau là, hein. Putain. C'est les villes comme on voudrait qu'elles soient. Bon, je t'imagine pas comment ça peut être dans la galère l'été pour... Non, l'été ça peut être bien justement. Avec tout ça. Mais alors l'hiver. Avec toutes les moisissures et tout. Compliqué, hein. J'étais militaire. Oh! Unité spéciale? Il m'a fait peur. Dans 7 ans. J'ai même aimé ça, sauf quand c'était pas le cas. Mais par contre, pourquoi nous on peut pas courir aussi vite que lui? J'ai fini par faire le taxi. Eh ben, les puissances sont tombées bien bas. Va te faire foutre. Au moins, j'ai appris à me repérer dans la ville. Ah, allez. Il m'a dit va te faire foutre, hein, on se connaît pas. Quoi? T'es trop faible. Ah oui, je me dis. Sans inhibiteur, tu tiendras jamais. Est-ce que j'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donné? C'était juste la première fois. Mais ensuite, ça s'améliore. Si tu survis, bien sûr. Attrape ça. T'es en train de me dire que j'aurais pu mourir? Si je te l'avais pas donné, tu serais mort de toute façon. Ouais. C'était un risque à prendre, quoi, selon toi. C'est ça? J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs à ramasser. Oh, du caca. Oh, des maxi-max. On a même ramassé les abeilles avec. Vous vous rendez compte? Pas de camomille là dans le coin? Non? C'est dommage. Qu'est-ce qu'on a là? Genre. Ah. Ça s'ouvre. De l'oseille. C'est quoi ce? De la résine. Je suis en train de tout leur piquer. Pauvre mec. Vous aurez pas de miel. Ah, je suis bloqué. Vous aurez pas de. Vous n'aurez pas de miel cet Dis-moi, hiver. Pourquoi tu m'aides? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin. Maintenant je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un œil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, il y a des trucs dedans. Jette un œil, je t'attends. Quoi? Bosquet de toit. Bah, j'ai déjà fouillé avant. Les ah, gens du coup, c'est ça. De trucs dans des endroits comme ça. Et donc, on leur vole leurs trucs. Qu'est-ce que pierre c'est que précieuse. Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas alors? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de son blé. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. C'est de la quoi? Lithothérapie, c'est ça? Oh. Alors, pardon, j'ai perdu ma voix. C'est bien, ils ont mis des musiques un peu plus variées, j'ai envie de dire. Parce que le premier jeu, c'était tout le temps... Oh là là, c'est vrai, eh, ça va être très très fun de se balader ici. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Oh oui, ouh, 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 ouh. C'est quoi, je passe là? Alors? le risque était calculé, hein. Attends, il y avait un truc ici. Ah non, c'est des bonbonnes. On s'en fout. Yep, la boum. Oh là là, mais il doit y avoir trop de trucs à fouiller. Je sais qu'on n'a pas la carte là, mais quand on va la voir, mon pote... Ah si, on l'a. Oh, énorme. Comment on dézoome? On peut pas. C'est que ça? Ah non, ah, c'est immense. What the fuck, dude? Ah, y'a trop de trucs. Stop. Alors, y'a une armée ici? Les pacificateurs.
Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. Dis-moi en plus sur eux. Ouais. Dis-moi en plus sur eux. Ils se prennent pour de vertueux protecteurs. Quand faut tuer des infectés, ils assurent. On peut pas leur enlever ça. Des tueurs plutôt efficaces. Ouais, mais une telle droiture, ça se paye. Souviens-toi de ça. Soit tu suis leurs règles, soit t'es dans la merde. Leur protection du bazar ressemble plus à de l'occupation. Ok. Sur le chemin, j'ai rencontré beaucoup de durs à cuire qui parlaient du nouvel ordre. Mais pour moi, c'est toujours la même rengaine. Ouais, c'est comme ça ici aussi. Et les pacificateurs sont de pire en pire. J'agirai avec prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'exploser. J'ai toujours trouvé que le logo du GRE était mal fait. Ouais. Manque une lettre. Tu voulais pas me montrer quelque chose ? Carrément. Suis-moi. Ça fait du bien d'avoir un peu des dialogues qui font moins... Comment dire ? Moins écrit avec un traducteur que dans le premier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Parce que dans le premier c'était vraiment... Oh là là, c'est pas gentil. Alors que là c'est un peu mieux, tu vois, ça fait plus vivant. Il est où ? Bon, on va le regarder faire parce qu'apparemment il aime pas qu'on fasse les trucs en même temps que lui. Hop là! Je parie que c'est par là. On y est presque. J'espère qu'il n'y a pas de surprise. Et où? La nuit tombe. Ils vont bientôt se réveiller. Vite, ouvre le coffre. C'est quoi? Ah, c'est les caisses humanitaires là? Et après, on te récupérera un biomarqueur. Merde! Des voleurs! Attends. Non. Laisse. Si t'abîmes la serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur ? Où est-ce que t'as eu ça ? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens. Et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Je vais te dire la vérité, je peux pas te dire grand-chose. Bon, vas-y. Je peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. Un gars du nom de Walls l'a tué. Avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour que Walls la récupère pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au Fisheye. On verra bien, hein. Je pense qu'il va être reconnaissant qu'on lui dit la vérité. On a mis trop de temps. Plan B, on dégage. Ah oui, parce que la nuit, là, elle s'est réveillée très très vite quand même. On doit trouver une lampe UV. Le bazar. On peut y arriver. Suis-moi, vite. C'est là-bas le bazar. Lumière UV. Ok. Ok. C'est y part. Ils approchent. Allez. Ouh, c'était chaud. Alors excusez-moi les. Les potes. Qu'est-ce qu'il fait ? Waouh ! Mais tu glitches ! Mais j'ai pas trouvé de touche pour sprinter. Là-bas, dans la lumière. J'ai l'impression que c'est normal. Let's go ! Des biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul. Des biomarqueurs.
T'es sourd ou quoi derrière nous? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-moi au moins passer la porte. Il faut que je voie son biomarqueur. Et un peu de matos électronique. Commencer, let's go! Oh putain, ça rigole pas les mecs. Je préfère pas me retourner mais ça crie hein. Mais j'ai pas de touche de sprint. Hop. Je vois rien. Ça fait peur. Cillian, c'est moi. Pas d'amis ici, hein. Cillian Murphy. Occupé. Comment ça? Avec quoi? Cillian. Putain, Cillian, allez. Cillian. J'espère que tu es prêt pour aller bien dans vos cadavres. Connard. Arrêtez. Vas-y, on essaye, hein. Quoi? Il est où? Est-ce qu'on peut leur faire le truc du contre? Pas l'impression. Merde, ils sont trop nombreux. Ah, salut. T'as cru. On a réussi. C'est bon ? Ça m'étonnerait qu'on ait fini. Les ennuis viennent jamais seuls. Mais des fois, ils passent derrière moi. Ah. D'endurance. Heureusement que j'ai une arme de ouf. C'est bon ou pas? C'est bon, il y en a plus. Poursuite terminée. Je pense. Aide-moi. Cillian, t'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Presque mort. Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis, tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard. Regarde ça. T'as la même voix française que Martin Freeman. Où est-ce que t'as ? C'est rare. On dirait. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui ça? Hélène le pèlerin. Si tu nous laisses entrer, tu le sauras. Faible respiration, pupille dilatée, grosse sueur. T'es sur le point de te transformer et t'es venu? Pas besoin de vérifier ton biomarqueur. Tu vois tellement de trucs, alors pourquoi ne pas faire quelque chose, hein? En plus, j'ai même pas de biomarqueur. On avait l'habitude d'aider les gens, Cillian. Je suis un pèlerin. Quand il se retourne vers moi comme ça, ça me fait trop rire. Comment t'es arrivé en ville? Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer.
J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Oh, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, Akon, hein? Je lui ai donné un inhibiteur. Il a survécu. Mais t'es dingue! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Tiens, fils de pute! L'hôpital, alors? J'espérais éviter ça. Toujours à la recherche de la facilité, hein, Akon? J'ai juste besoin d'une lampe UV. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Akon, pourquoi est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. Crétin. On aidait les gens à l'époque, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens, Brocaille. Il est rigolo. Alors, est-ce que j'ai des trucs à voler chez toi? Oh! Mais tu pourrais cuisiner. Tout le monde autour de toi dit que c'est ce que tu devais faire, cuisiner. D'accord, t'étais cuisinier du coup. Planque du joueur. Tac tac tac. Putain, j'ai pas l'impression que je peux changer de tenue, c'est bizarre. Attends, me dis pas que genre j'ai utilisé la tenue de la précommande dans l'autre partie et vu que j'ai changé, là je peux pas. C'est trop bizarre. En fait, il y a plein de trucs qui ont changé. Mais non, tu voulais autre chose. Des putains de plus grands causes. Oh, tu pourrais juste cuisiner. Demander des infos sur l'inhibiteur. C'est quoi le problème si Akon me donne des inhibiteurs? Ça tue les gens en quelques secondes. C'est une drogue puissante. La plupart des gens peuvent pas gérer. Mais j'ai survécu. J'ai dit la plupart. Alors détends-toi, faut juste faire gaffe avec ça. Ok. Les biomarqueurs, pourquoi c'est si difficile d'en trouver? Parce que ce sont des dispositifs complexes. Et les usines qui les fabriquent sont hors service depuis des années. Les biomarqueurs sont liés au sang. Ils ne peuvent pas être réutilisés après que quelqu'un se synchronise avec. Sans eux, l'infection se propage sans contrôle. Comme pour toi. Voilà pourquoi ils paient une fortune pour en avoir un nouveau. C'est tout leur fric et leurs cristaux qui y passent. Heureusement, Akon et moi avons trouvé un endroit où ils sont encore fabriqués. Akon et toi, vous vous connaissez depuis longtemps? Trop longtemps. Il voulait dire quoi quand il disait qu'à l'époque vous aidiez les gens? On a servi ensemble dans une unité... Oh, peu importe, c'est de l'histoire ancienne. Où est-ce que je peux me reposer? Donc tu viens d'arriver en ville. Qu'est-ce qui t'amène? C'est pas la terre promise ici. Loin de là. Il faut que j'aille au Fisheye. Et Akon t'aide à y aller, c'est ça? T'as l'air d'un bon gamin, mais... Suis mon conseil. Ne donne pas ta confiance à n'importe qui. Hein? Comment tu sais que tu peux me faire confiance? Ok, assez de blabla. Va dormir. Y a rien à faire jusqu'au matin, de toute façon. Excusez. Je regardais autre chose. J'avais pas fait gaffe. Aiden, baby Aiden, stupido, babido. Trouve-moi. Allô, ici QG. Besoin d'un transport à l'hôpital, reçu. Ouais, super drôle. T'as réussi? Presque. Les biomarqueurs se trouvent à l'hôpital du GRE. Je serai bientôt prêt, mais pour faire le boulot, j'ai besoin de toi. Où est-ce que je dois aller? Si tu te mets dos à la porte de Cillian, ce sera tout droit. Tiens bon. Dos à la porte? Bah tout droit, quoi. Il est con, le mec.
Exploration nocturne. Attention, il y a beaucoup d'infectés. Et faites gaffe aux hurleurs, sinon c'est la poursuite. Pendant la poursuite, cherchez des cachettes et cachez-vous dans la lampe UV. Je vous le fais en speedos, hein. Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Eh ben, ils vont te rappeler qui c'est leur père. Il y a quelqu'un derrière moi ? C'est quoi qui a fait ce bruit ? Je sais pas trop. Ok. Bon, sur les toits, il n'y a pas l'air d'avoir masse de trucs. Je suis mort. En fait, tant que j'ai pas d'arme à feu, ça va. Et là... D'accord. Non mais regardez où j'ai atterri quoi, genre sur le bord. J'ai fait exprès de pas sauter loin, volontairement. La porte est verrouillée. T'inquiète pas, trouve le vieux bus. Un bus ? À leur hache, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Ah d'accord, j'étais juste devant en fait. Je cherchais un bus super loin. Ça va, ça les a pas réveillés. Quoi, faut rentrer dans le bus ? Pas compris. Bah c'est là quoi, qu'est-ce que je fais ? Ah c'est là. Là on est mort, hein. Je pense. Déjà que j'ai plus beaucoup de vie. Je suis à l'entrée principale. J'ai marqué un itinéraire sécurisé. Bah, je trouve que c'est pas très... Enfin je suis peut-être con mais... Genre là le truc du bus c'est pas très clair, hein. Pour moi un bus fallait escalader dessus. Impressionnant, hein. GRE en a positionné pas mal pour ses recherches pharmaceutiques. Tout est parti en couille, ils ont chopé des volontaires. Ils les payaient une blinde. Résultat, un gros tas d'emmerde. Encore un peu. On n'a pas beaucoup de temps, reste à côté de moi. Ça passe là ? Bah non. C'était plutôt par ici. T'es où mon pote ? Ah, c'est plus haut. Ah, je l'ai dans la tête son truc de Hayden Babaiden là. Jojo Babaiden. Il est où ? Putain, mais je comprends rien. Le mec, un coup il est là, un coup il est plus là. C'est bon. La porte est verrouillée. Fouille les poubelles. Oh, le même. Toutes les poubelles s'il faut. Tu sais comment ouvrir une serrure ? Bien sûr. Tourne la clé. Ici j'ai pas de clé. Ah, tourne la porte. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi ? Je vérifie, c'est tout. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro. Maestro ! J'ai trouvé des pièces. Avec ça, tu peux fabriquer des crochets. Ah, bien vu. Fabrication ! Bon, attends, on va tous les faire, ça ira plus vite. 50 ? J'ai fait 50 crochets ? J'ai peut-être un petit peu abusé là, non ? Ah voilà, et là j'ai le menu. Mais j'avais pas ça tout à l'heure, si ? Attends, qu'est-ce que j'ai ramassé du coup ? Rien ? Mais ça veut dire que les trucs de la précommande, ça a pas marché ? Je comprends pas. C'est pas grave. Du moment qu'on a les armes... Ok. Journal. Ok, bah c'est la même quête en fait. Bien joué. Crochetage, trop facile. Non mais c'est pas... Pas besoin de m'expliquer les mecs, j'ai fait le premier jeu. C'est quoi cette touche ? C'est carré ?
fait le premier jeu, mais... Voilà. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ah, t'as pas menti. Tu connais ton truc. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter. Let's go. Oh, oh. Attendez, parce que je communique avec mon coéquipier, là, c'est difficile. C'est quoi ce bordel? Par message. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je me soigne. Ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour se soigner. Rien à ramasser? Si. Plein de trucs. Hop. Un truc pour apprendre les couleurs. Fouille les poubelles. Oh, il y a plein d'infectés. Hein. Est-ce que ça sert à quelque chose de fermer les portes? Eh, du coup, c'est ça les cristaux qui se sont formés? C'est stylé. Peut-être toxique, mais c'est stylé en tout cas. Hop. Non, faut que j'arrête. Faut que je suive le mec et faut que j'arrête de partir n'importe où. Ah oh ouais, d'accord. Tout comme ça, toi. Tout comme ça, toi. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bon. Ça, c'est compliqué. Merde. Attends. Ah, ils sont en position étrange quand même. Secousse. Ah, c'est pour se cacher. D'accord. Un peu comme dans Pokémon. Je suis là. Un petit coup de main. Et voilà. Y'a pas un petit coup de cul. Ça marchera pas. Par contre, j'ai l'impression que Hayden a les mêmes bras que Crane. C'est parti. Par ici. Est-ce qu'ils auraient pas réutilisé les mêmes assets? Sommes obscurs, Bruno. Reste calme. Mais je suis calme. T'es pas très calme. Bien joué, il met sa tête devant. Aiden. Est-ce que tout va bien? Ouais. T'es sûr? Parle-moi. J'ai la tête qui tourne, cet hôpital, j'ai déjà eu ça. Je me sens pas bien tout à coup. Ça doit être l'infection. Ne cède pas. On va te trouver un marqueur et on sera fixé. En fait, j'ai l'impression qu'il il compte trop sur le marqueur. Ça va peut-être pas me sauver. Oh, c'est beau. Putain, les mecs. Ouah, kikune. Hop. Toutes les poubelles. Bah, c'est pas comme ça qu'on les ouvre, mais... Ça marche aussi. Y a pas tant de trucs que ça à fouiller. Hein. Je suis un peu surpris. Il est où notre pote? Il est passé par là? Non? Il est où? Là? Oui. Hayden Babayden. Putain, mais ça me pète les dents. Je vais l'avoir dans la tête ce truc. Pardon. Oh, des poubelles, putain. J'adore ça, moi. Je ramasse tellement de trucs.
les belles au bois dormant. Ouais, on doit passer devant eux. Si tu t'accroupis et bouges lentement, ils te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça, tu le sais déjà sans doute. Ouais, grave. C'est parti. Dis donc, Jamy. J'ai envie de me rapprocher quand même. Ont des sens limités. Contournez-les. Et si je les... Ah non, c'est là où il y en a beaucoup. Je suis caché. Je crois qu'ils ont une... ils ont la vision quand même, non ? Je suis pas sûr. En fait, j'ai été tellement matrixé par Last of Us que... Je vais où ? Ah là, je suis con. Je suis très con. Mais ça se soigne. Ok. Y'a pas un petit truc ici ? Ah, dommage. Du savon, très bien. En fait, j'aimerais que la vision comme ça soit tout le temps activée. Bon, vous le savez, il y a un moment où ça va partir en couille. Hein. Tous ces mecs-là, ils les ont pas modélisés pour rien. C'est quoi ça ? Des produits chimiques. Des trucs dégueulasses. Quand il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi, hein. Distincteur ou pas ? Ah ! Akon, je crois qu'il va y avoir un combat. Non ? Oh, mais on peut fouiller ça, en fait. Ah ouais ! Des florins. Bon, tu descends. Ok, ça va, tout va bien. Ce gars dont tu m'as parlé, c'était quoi son nom, Waltz ? Ouais. Pourquoi t'as parlé de lui ? Parce que je me rappelle qu'il faisait des sortes d'expériences. Ouais. Bah figure-toi qu'il était pas le seul. Il y avait d'autres villes comme Vildor, avec des murailles, coupées du reste du monde. C'est étonnant que le mec il connaisse pas Wolves. Sur un vaccin à Eden. Mais bon, le monde est rempli de connards. Ah ouais ? Putain, la révélation. Oh, la révélation de malade ! Eh mais tu es fou, tu as révélé le secret. C'est quoi ce ? Oh, y a des trucs partout. Voilà. Rien. D'accord. Sois prudent. C'est pas stable. Pas stable, box. Allez. Non mais attends, il y avait un truc à fouiller avant. Oh merde. Mais saute. Je crois.
Tu peux grimper? Ouais, laisse-moi une seconde. Vite, on a presque plus de temps. Mais j'ai pas assez de... Je vais pas y arriver. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles? Des inhibiteurs. Exactement. Quoi, je peux en fabriquer? T'es tombé au premier étage. Il y a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. D'accord. Ok, bah c'est une clé quoi. Ils nous ont vraiment mis un tuto pour une clé. Quand le tuto va plus loin que le tuto. Ah, j'ai faim, je commence à avoir faim là. Quelle heure est ? Midi 23. Logique. On doit l'accompagner. Un rapace. Bouge pas. Tu peux pas gérer ça. Je sais. J'ai vu cet enfoiré. Comme FLB, hein. Ah, il s'est sauvé. Essaye de le contourner. D'une manière ou d'une autre, t'as oublié de dire. Verrouiller de l'intérieur, d'accord. Comment on fait? Et là? Même pas de poignée. Eh ben c'est nickel. Je trouve que la vision elle reste pas très très longtemps. Du coup assez complexe de voir où est-ce que je peux fouiller ou non. Mais il y a quand même des trucs à fouiller. C'est bien ça. Ok. C'est par là ? Non. Moi je sais pas. Hein. Ah c'est là, putain. Évidemment. Aiden, dépêche-toi. Si cet infecté te trouve, t'es mort. Ouais. Antibiotique. Ça, ça souille pas, c'est une plante. Pas le choix, hein. Heidi, Aiden, Bob, Aiden, man. La cuisine est par là. On mangera la glace qu'il nous cache. J'ai peur, Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées, Heidi. Et si le docteur nous voit? Il nous verra pas. Et puis faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez, me lâche pas. Et là, ça a réveillé personne. Arrêtez, les mecs. Sois pas une poule mouillée, Aiden. Ouais, don't be a poule mouillée. Bah alors. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Antibiotique. Oh là là, mais on va pas avancer, il y a des trucs à fouiller partout là.
Je suis déjà à 51 minutes sur mon chrono. C'est trop. C'est bon, y a plus rien. Inhibiteur. Attends. Ça a l'air complexe. Mais je veux pas tout lire. Et c'est sûrement pendant le jeu, je vais être en mode. Je vais être en mode. Je ne comprends pas. Je suis miné pendant 5 minutes. Quoi de neuf ? J'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Je t'attends. Non, c'est Akon. Tu connais pas? Akon! Dépêche-toi, j'ai trouvé les marqueurs. Ah, t'es là, mon pote. Oh là là, y'a plein de trucs. Mais vous savez quoi? On va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pourvu qu'on arrive quand même à jouer en multi. C'est assez insupportable là, ce début de jeu, c'est trop long en fait. C'est pas... En fait, quand tu joues solo, tu te poses pas de soucis, mais quand tu sais que tu veux jouer multi, c'est hyper frustrant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche, et on se retrouve très très vite. Salut!